Regardez, regardez. Et c'est l'association Ange qui présente 973 Folia. Le groupe 973 Folia, l'association Ange qui présente lorsqu'ils sortent dans les rues. 973 Folia, la Folia, qui est... La folie typique. La folia qui est typique du carnaval. La folia, ce sont ces groupes où tout le monde peut participer, ces ensembles où tout le monde peut participer en général derrière les chars, avec cette particularité que tout le monde peut, pour une modique somme en général, se prémunir d'un débardeur, souvent floqué aux couleurs de la folia qui est suivie. Donc là, c'est la 973 Folia de l'association Ange. Et se défouler, bien sûr, toujours dans la Nièce et toujours dans les meilleures conditions. Alors Vanessa a posé la question suivante. Vanessa Ringuet, j'ai vu, hein. Mais c'est bien, c'est beau, mais où sont les chants d'antan? Eh bien, écoutez, Vanessa, les choses ont évolué depuis. Hein. À l'époque de ces chants, il n'y avait pas encore le portable aujourd'hui. Donc, les choses évoluent à une vitesse extraordinaire. C'est vrai que quelques groupes maintiennent les chants, mais il y a d'autres qui valorisent tout simplement la musique. Beaucoup de musique avec des répétitions chaque semaine, deux voire trois fois par semaine pour certains groupes. Parce que effectivement il y a cette envie d'épater le public et puis aussi d'épater les danseurs pour les chorégraphies. Waouh, 973 Folia. Alors, il y a une question qui est arrivée. Que représentait Cassalata? Vous pouvez nous rappeler, ma chère Jeannie. Cassalata, c'est un arc-en-ciel. Cassalata représentait le thème jour de fête. Jour de fête, tout simplement. Voilà. Donc, c'est jour de fête. On porte ce qu'on veut, on porte beaucoup de couleurs. On est dans la joie, dans la bonne humeur et dans le bonheur. Les couleurs rouges et dorées. Et puis, sur les chapeaux des messieurs, il y avait des petites coupes de champagne. Donc, voilà, la fête. La fête. Fiesta. La fiesta del Guyana. Ah, il y a plein de messages quand même, c'est ça. Les rageux auront de quoi parler. Allez, Cassalata. Allez, chaud. Mon préféré, Cassalata, les meilleurs. Ah, mais tiens, vous avez vu un peu. C'est très à la mode maintenant. Chaud bête. Chaud bête. Ah, ça me fait penser à Souffrance. Oui, c'est voilà. Sûr, c'est. C'était son mot d'ordre à l'époque. Ouais, voilà. Chaud bête. Avec Souffrance et son frère Fled qui accueillent ce soir les deux groupes phares du carnaval. Voilà. Aux préparations. Pour le face-à-face. Ça. Son débardeur de la 973 Folia. Yo, ben voilà, ça tout est fait. C'est une ambiance aussi, c'est une ambiance. Il a tout à fait le droit. 973 Folia. L'ensemble carnavalesque de l'association Ange. Une association de Cayenne. Alors, puisqu'on vient de voir nos amis brésiliens, je vous rappelle que le carnaval de Rio a démarré le 1er mars dernier, donc vendredi, hein, un carnaval de Rio de Janeiro qui aura lieu dans plusieurs endroits incontournables, notamment de la Cidade
Mariviosa, la cité merveilleuse, au Sambodrome, Marquès de Sapusai. Vous avez forcément déjà vu à la télévision des images de la compétition officielle entre écoles de samba qui se tient dans ce stade de samba à ciel ouvert, pouvant accueillir jusqu'à 90 000 spectateurs. Alors c'est vrai que c'est pas comme le carnaval de Guyane parce que l'entrée là-bas, elle est payante et il est difficile d'obtenir des billets étant donné l'engouement des habitants de Rio pour cet événement, pour essayer d'obtenir des billets. Mais il faut se prendre longtemps à l'avance puisque des milliers de personnes se rendent chaque année au Brésil pour assister bien sûr à ce carnaval. Alors c'est vrai que le premier jour généralement, Jani, premier jour du festival, il y a le fameux roi, le roi Momo, bien sûr la reine et les princesses qui reçoivent le prix de la ville des mains du maire pour y faire régner la joie et l'exubérance durant tout le carnaval. Et le soir même, le défilé des écoles du groupe, débute à 22h. Le samedi, il y a la seconde partie. Et puis dimanche et lundi, donc place aux écoles du Grupo Especial, l'élite des meilleures écoles de samba de Rio. C'est dans ce groupe qu'elles peuvent prétendre au titre suprême de meilleure école de samba de Rio de Janeiro. Et puis le mardi 5 notamment, il y a la parade des enfants. La parade des enfants avant l'élection de la reine du carnaval et la clôture officielle du carnaval de Rio 2019 aura lieu le samedi 9 mars. Donc samedi prochain avec la parade des champions. Très attendu, ce défilé proposera des places notamment moins onéreuses que la fameuse soirée officielle. Voilà pour le carnaval du Brésil. Donc on voulait faire un petit coup d'œil avec les images que nous venons de voir, les images de ces Brésiliens en liesse avec bien sûr d'autres communautés qui ont rejoint la communauté brésilienne pour faire la fête au son d'une sono mondiale avec essentiellement des sons de briga, de pacote. Un peu de samba, mais beaucoup de briga et de pagode. D'autres rythmes qui viennent du Brésil. Place maintenant à l'association Yeye de Macuria qui nous présente artiste Yeye Nanzanã. Après le Brésil, on va accueillir la communauté brésilienne sur le communauté brésilienne. La communauté haïtienne, pardon, que dis-je ? Désolé, excusez-moi, la communauté haïtienne. Voilà. Qui se retrouve sur le tapis rouge pour défiler aussi. Mais on voit encore des images de nos amis du Brésil avec un cordon de sécurité aussi. Vous avez vu, mais tout est encadré de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, bravo à la communauté brésilienne. Voilà. On